Le tube interplanétaire Under Pressure de Queen et Bowie a été composé à Montreux et enregistré au Mountain Studio du Casino. C'est une chose que peu de gens savent, mais voilà, c'est une anecdote que j'aime bien. Moi, je dois dire, tous les jours, j'aime regarder le lac. Il est chaque jour différent. La lumière est chaque jour différente. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a une chose folle ici. Ouais. Le Gramont, juste derrière, j'aime aussi regarder le Gramont. Bon, on a un territoire qu'il faut valoriser. Et peut-être que jusqu'à maintenant, on l'a parfois abîmé, dépareillé, la construction qui a été peut-être trop intense. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de construction que je regrette un peu partout hein, sur la Riviera. Et puis ça, peut-être qu'il y a quelque chose à rattraper de ce point de vue-là, oui. La raclette au fromage de jambon, c'est un fromage qui est un fromage à pâte dure, donc qui est proche du gruyère. Il y a la proximité aussi culturelle par le col de jambon. Traditionnellement, jusqu'à la fin du 19e siècle, les liens avec le Pays d'en Haut et la gruyère se faisaient par le col de jambon. Donc il y a dans ce fromage, il y a aussi toute cette histoire du col et puis de la production de bons produits dans la région. Alors, je raconte souvent le même souvenir, c'est un souvenir d'enfance. Quand j'étais enfant, j'habitais à Claron, à l'avenue du Châtelard. Et lorsqu'il neigeait, la police venait, elle fermait la rue. Et on avait la rue pour nous, on pouvait luger à la rue du Châtelard. Ça, je pense que tous ceux qui ont grandi à Claron, ils se souviennent de ça. Je trouvais tellement génial qu'on se permette de couper le trafic pour les enfants. Ça, c'était vraiment magnifique. On peut être un peu utopiste ou bien un musée qui raconte l'histoire de la Riviera, sans frontières internes, et puis qui montre quelle identité culturelle justement nous avons, quelle histoire en commun nous avons tous. C'est vrai que je pense que si alors on pouvait choisir un projet pour sa commune, on n'aurait pas tous le même, forcément. Là, ça demanderait de réflexion. Mais moi, je crois, j'aime beaucoup l'histoire. Je pense qu'elle nous réunit quand on la regarde tous ensemble.